Mettre tes pieds. Non, c'est pour mettre sous tes fesses, hein, c'est pas pour mettre tes pieds. C'est super mignon. Non, tu peux le garder. Hein. Tu peux même l'emmener chez toi. Non, on va peut-être parler du film. Je vais vous présenter déjà mes deux acolytes. On peut avoir plus de lumière ? Ouais. J'ai mis beaucoup d'argent dans la moquette, mais très peu dans les ampoules. On va avoir plus de lumière, non, si possible. C'est Max, ça ? En même temps, c'est un cinéma. Ah si, il n'y a pas un Projo là-bas ? C'est pas un Projo ? C'est un vieux Projo. Ah, non, le truc... Ah, voilà ! Il faut tout donner. Ah, voilà ! Comme vous voyez, ça a été beaucoup préparé, répété avant. Hein. Donc, je voudrais vous présenter mes deux acolytes. D'abord, demoiselle. Donc, il est chauve. Il a... Non. Je vais commencer après, je vais faire un peu, d'accord ? Va vite te changer. c'est son premier rôle, c'est la première fois qu'elle joue un rôle principal féminin au cinéma. Voilà, elle était dans des petits rôles avant. Elle avait passé l'audition pour un plus petit rôle dans le film. Et puis, suite à une lecture qu'elle a fait avec Claude et moi-même, ça s'est très très bien passé, donc et a germé l'idée de lui proposer le rôle principal, et voilà, elle est formidable dedans. Elle est de Marseille, elle joue la sœur de Cad dans le film, et elle s'appelle Alice Paul. Merci pour elle. Vas-y, tu veux dire un mot ? Oui, merci beaucoup pour votre bel accueil. Voilà, on est... Ça a voulu me couper. Voilà, on est très content de vous présenter. Merci beaucoup, Ali. Merci. Je vais passer maintenant. Je le savais. Non, je t'en prie, vas-y. En plus, il y a un mec qui a gueulé hier parce que je l'ai coupé. Alors, oui, c'est vrai. Là, je l'ai pas coupé. Normalement, je la coupe. Voilà. Hier, je l'ai coupé et il y a un mec qui a gueulé en disant oui. Je dis non, c'est pour rigoler. Il a pris au sérieux. Je crois qu'il t'aime bien. Tu vois ? Oui. J'ai pas de la vue. Si. Bah, tu vois, il va être chez toi. Il va se planquer dans ton escalier. Ah, vas-y. Et donc, non, voilà, on est très contents. Merci pour votre bel accueil. Voilà, vous verrez, Dany m'a confié un rôle magnifique. C'est rare en France pour une femme dans une comédie d'avoir un rôle qui soit pas juste la copine des héros. Et voilà, et j'ai été très, je suis très heureuse de partager l'affiche avec ces messieurs qui ont partagé leur expérience et leur succès avec moi, et pour toute générosité. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Merci Alice. Te souhaitons une longue carrière. Longue carrière, c'est vrai. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup. Hein? Maintenant, il ne fait plus aucun effort vestimentaire. Il vient maintenant en Kawaii. Dès qu'on lui dit que c'est au nord de Paris, il se met en Kawaii depuis qu'il a fait les ch'tis. Mais il fait froid. C'est un peu dommage. Parce qu'il pleut. C'est un bon nord, oui, pas à l'intérieur. Si, des fois. C'est vrai que c'est un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas un Kawaii, c'est. Elle est pas belle, c'est ça, ma Madonna. Oui. Saint-Étienne, moi je suis de Saint-Étienne. Je supporte Saint-Étienne, je suis désolé. Saint-Étienne, quoi ? Oh. Et alors, on est quatrième du championnat. Vous êtes combien ici ? Allez, Lance. Ah, vous, c'est Lance. Ah oui, Lance. Qui va remonter, là. Oui, il faut qu'il remonte, là. Ah oui, très bien. Ils vont remonter. Et ils vont monter, là. Ah, Antoine, comme vous. Et donc, je l'ai retrouvé 6 ans après les ch'tis, et je vais être ravi de ne plus le voir pendant 6 ans. Jusqu'au prochain. Non, peut-être avant. Non, t'essayes, moi aussi. Non, avant. Ah, attention. Oh, pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, il a mal... Ah oui, ça va. Non, ça va. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas... Je sais, t'as de la poigne, quoi. Ça a été un bonheur de le retrouver dès le premier jour de tournage, ça a été formidable. Et j'étais ravi de. J'ai pas écrit ce rôle pour lui, mais ni pour un autre. D'ailleurs, j'ai écrit le rôle pour écrire le rôle. Et puis il s'est trouvé que, à un moment donné, je me suis dit tiens, pourquoi pas 4. C'était l'occasion de se retrouver et de recréer le duo dans quelque chose de différent. Vous allez voir.